Allez les amis, bonjour, bienvenue pour ce petit vlog qui sera fin août, début septembre, un petit vlog, peut-être rentré, même pas, c'est un petit vlog, voilà, tout simplement, j'avais quelques petites annonces à vous faire, voilà, donc il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a toutes mes notes là, pour pas que j'oublie, parce que Alzheimer me guette, non. Je plaisante. Non, quelques petites choses à dire dans ce petit vlog. Première chose, dimanche, je pars en congé. Voilà, ça y est, c'est fait. Avec toutes mes péripéties de cet été, je pars en congé au mois de septembre. Donc voilà, c'est une petite semaine, donc du dimanche à dimanche d'après. Donc je rentre vers le 5, je crois, de septembre. À la maison, et là seulement là je reprendrai les maquettes à fond puisqu'après j'aurai plus de problèmes d'organisation, le train-train quotidien, le métro boulot dodo va reprendre le dessus, et donc à partir du week-end du 5 septembre, voilà, je vais reprendre les maquettes comme avant avec plein de vidéos, voilà, donc là quelques jours à tenir avant de partir en congé une semaine. Ça va me faire du bien avec tout ce que j'ai passé et enduré cet été, entre les travaux et puis le Covid. Voilà, donc pour vous dire déjà cette petite chose. Alors, donc rassurez-vous, depuis la dernière vidéo, il s'est passé un petit peu de temps. Il va se passer encore une semaine et après, les vidéos reprendront comme avant. Voilà. J'avais prévu d'organiser... pas une réunion, mais un rendez-vous avec les abonnés, avec vous, sur plan de campagne, là où il y a un magasin de maquettes. Voilà, donc je pense faire ça courant octobre. Voilà, la date est encore à déterminer, mais normalement, courant octobre, on va pouvoir faire ça et organiser ce rendez-vous sur plan de campagne. Voilà, je vous confirmerai dans des vidéos, je vous confirmerai la date exacte, mais donc dans le mois d'octobre. Prévoyez déjà que au mois d'octobre, pour ceux qui veulent venir me rencontrer, puis rencontrer la communauté, hein, puisque je ne suis pas le seul à être vu, il y a tous les autres abonnés, et qu'au moins vous voyez dans les commentaires, ben là vous pourrez vous voir en vrai. Voilà, donc courant octobre pour ça. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne, donc hormis les vidéos traditionnelles de montage de maquettes. Pendant tout le temps où j'étais pas bien à cause du Covid, j'ai vachement réfléchi, j'étais souvent au lit et allongé à rien faire, donc j'ai pas mal réfléchi. Et voilà, j'ai pris la décision de me faire encore plus plaisir à moi dans mes vidéos et dans mes montages. Voilà, alors il n'y a rien contre tout le reste, mais voilà, j'ai décidé de me faire plaisir avant tout, de prendre moi du plaisir plutôt que de... parce que je m'infligeais, si vous préférez, je faisais beaucoup en rapport de la chaîne, beaucoup en rapport il faut faire ça, non ça, ça va plaire, non ça, ça va pas plaire, et ainsi de suite. Voilà, donc là j'ai pris la décision de me faire plaisir et de travailler et de faire les maquettes en me faisant plaisir, et je crois que la chaîne elle va s'en retrouver meilleure et que vous allez encore plus apprécier les vidéos. Voilà, donc petite décision, c'est l'attraction, la Citroën de chez LR, elle je vais la laisser de côté pour l'instant parce qu'elle m'a pris beaucoup la tête. Voilà, donc je la finirai un jour, ça c'est sûr, mais je la finirai quand j'en aurai envie et quand je serai motivé pour la faire, parce qu'il y a beaucoup trop d'aléatoires, beaucoup trop d'ajustements, c'est un peu galère quoi. Le LR, vous connaissez tous la marque LR, alors au 8e, je vous explique même pas, vous avez pu voir dans les vidéos toutes les problématiques liées à cette maquette. Voilà, donc je ne vais pas l'abandonner, je la mets de côté et je la reprendrai quand je serai motivé et que je reprendrai du plaisir à la faire. Voilà. D'ici la fin de l'année, je pense que j'organiserai ça courant décembre pour les fêtes de fin d'année. Une tombola, comme d'habitude, je fais toujours une tombola dans l'année. Donc là, je ferai ça au mois de décembre, courant décembre. Certainement courant novembre, il y aura les prémices de la tombola, l'organisation de la tombola, la décision de quelle maquette faire gagner ou quel outillage.
Voilà, hein, je vais organiser ça donc courant novembre et pour un tirage au sort au mois de décembre. Voilà, après, au niveau exposition, et oui, avec le pass sanitaire, ça va reprendre maintenant, hein, bien sûr. Ah oui, j'oubliais, courant octobre, le rendez-vous à Plan de Campagne. Il faudra certainement que tout le monde ait son pass sanitaire, je pense, parce qu'on ira certainement s'arrêter quelque part pour boire un coup. Donc, automatiquement, il faudra malheureusement le pass sanitaire si on va boire un coup tous ensemble. Voilà. Donc, après, bien sûr, je n'exclus pas ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Ils viendront. Hein. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas le pass sanitaire, ben, on n'ira pas boire un coup. Et puis, on ira qu'au magasin de maquettes. Allez. Donc, les expos. Je vais être présent sur trois expositions avant la fin de l'année. Donc, il y aura très rapproché le 25 et le 26 septembre. Donc, c'est une exposition qui se fera à la Destrousse, dans les Bouches-du-Rhône. À la Destrousse, organisée par les membres du club de maquette de la Destrousse. Un petit coucou à Marc et à tous ceux que je connais de la Destrousse. Un grand bonjour à vous tous. Voilà, donc le 25 et le 26 septembre. Donc je serai présent à cette exposition si vous voulez venir me voir et puis visiter surtout l'exposition parce que moi je ne suis pas la chose à voir dans l'exposition, c'est l'exposition qui est à voir. Venez nombreux. Il y aura après au mois d'octobre, le 9 et le 10 octobre. Donc là c'est organisé par le club de hier. Et ça sera ailleurs, ailleurs, donc c'est dans le 83, si mes souvenirs sont bons. 83, non, 83, je ne pense pas que ce soit 06. Mais enfin voilà, le 9 et le 10 octobre, ailleurs, je serai présent aussi. Et puis après, la date n'est pas précisée encore, on sait que ça sera au mois de novembre, et ça sera organisé à Vitrolles, par mes amis de Vitrolles. Du club de maquette Kitcopter de Vitrolles. Voilà, donc un grand bonjour à vous tous. Jérôme, Patrick, j'oublie les prénoms, mais tous, grand bonjour à vous. Et donc je serai présent, donc ça sera au mois de novembre. Là, la date exacte, je vous la préciserai un petit peu plus tard, mais c'est au mois de novembre à Vitrolles. Donc il y aura la Destrousse hier et Vitrolles au niveau des expositions. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux voir ces expositions qui sont organisées très 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 professionnellement, encore plus avec les normes sanitaires. Voilà, donc venez très nombreux à ces trois expositions. Moi, je serai ravi de vous y rencontrer. Voilà, mais écoutez, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Vous voyez, c'était pas beaucoup, beaucoup, hein. Voilà, donc à retenir, au mois d'octobre, un petit rendez-vous sur Plan de Campagne. La tombola en fin d'année, les expositions, voilà, tout simplement. Donc c'était un petit peu mon petit vlog pas de reprise, hein, puisque c'est un petit vlog, tout simplement. Voilà. Et puis je voulais surtout vous avertir que officiellement, à partir du 5 septembre, là, les vidéos vont reprendre correctement. J'aurai plus de contraintes et tout va aller à la perfection. Voilà les amis, bah écoutez, moi, comme d'habitude et comme à chaque vlog que je fais, bah je le dis, hein, c'est pas moi qui est formidable, c'est vous les amis qui êtes formidables. Donc continuez comme ça. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, je vous remercie 1000 fois pour votre aide financière ou matérielle. Les gens se reconnaîtront. Voilà, merci 1000 fois à vous tous parce que vous êtes magnifiques. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver en vidéo. À partir du 5 septembre. Voilà les amis, protégez-vous bien, passez de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont encore en vacances, passez une bonne reprise du boulot pour ceux qui vont reprendre, malheureusement, il faut bien reprendre un jour, mais plein, plein, plein de bonnes choses à vous tous les amis. Bye bye, à plus, ciao!